Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Alien Isolation, ce jeu qui fait stresser, ce jeu qui fait pleurer à cause de ces bestioles qui nous empêchent d'avancer, qui veut notre mort alors qu'on leur a rien fait du tout. On a même, d'une certaine façon, on leur a même, d'une certaine façon, donné la vie. Ils ont besoin de nous pour naître. Je pense que c'est en haut, hein, parce qu'en bas c'est le feu. Bon, en haut c'est le feu aussi, donc ce n'est pas forcément carburant, ça c'est cool. Mais au final. Ah, si, il y a encore en haut. On approche. On se rapproche petit à petit de la fin du jeu. Sauvegarder la partie, c'est nickel. On se rapproche de la fin du jeu, hein, on le sent. On est sur le point de retrouver le Torrens. Oui, alors par contre, le fait qu'il balance 75 munitions de lance-flammes d'un coup, ça annonce, mais alors, rien de bon. Utiliser la plateforme de maintenance à la place. Si je trouve une combinaison EVA, je peux encore vous atteindre. Sois prudent, Triplet. Plateforme de maintenance. Ok. Allez au SAS. Au SAS, c'était au point de départ. Évidemment, les aliens vont arriver. J'aimerais bien. J'aurais bien aimé pouvoir re-sauvegarder. Enculé. Ouh. Ouvre la porte. Là où vous me voyez, c'est ma tête concentrée, ça. C'est ma tête du... Je vais en faire qu'une bouchée. Je vais le griller. Viens ici, mon petit poulet. Je vais te griller comme un poulet. Et trop au tir. Agent Collant. Oui, barre-toi, magnifique. Et voilà. Et oui, c'est la phase de jeu où nous avons pas un, mais deux aliens en même temps. Et que c'est magnifique. Et je le savais. On m'avait spoilé ce détail. Ouh, putain, culé. T'es rapide. On m'avait spoilé ce passage aussi. À la fin du jeu, il n'y a pas un alien. Mais il y en a deux dans la même salle. Et nous devons aller au SAS et survivre à ces saloperies. On récupère de nouveau le lance-flamme. Je suis tenté de faire le bourrin. De faire. Bah justement, j'allais dire faire ça replay comme dans Alien 2. Y aller à fond quoi. Avec la mitraillette, il faut faire peur à tout le monde. Comme dirait Bigard, après tout, ce sont qu'une bête. Ce sont que des bêtes. Pour montrer qui est le patron. Voilà, vas-y, descends, descends l'escalier, vas-y, c'est bien. Donc, je pense que là, utiliser le lance-flamme est plutôt une bonne idée. Alors, lance-flamme ou cocktail Molotov, c'est un choix. Je peux... Alors,
Je peux faire un émetteur de son également. C'est vrai que je peux attirer les aliens de part. Le problème, c'est que là où je veux aller, c'est totalement l'autre bout. Je suis là. Je veux aller là. Donc à moi d'attirer là. Évidemment, évidemment, tu m'as senti. Non, tu m'as pas senti? Parce que je t'ai vu de faire sniff sniff. Sniff tête pour le. Ça sent la viande. Ça sent la viande. J'aime manger la Ripley. Je mange uniquement les humaines dont le nom de famille est Ripley. Car j'aime le goût de son sang. Je t'ai cramé. Tu n'as pas aimé. Va attendre. Non mais foutez-moi la paix, parce que j'aimerais bien quand même avancer. J'ai fait un mètre là avant de me faire attaquer deux fois. Seringue, j'ai pas le choix. Oh non, en slam c'est très bien. Alors, petite question, je l'ai où? Si je lance là-bas, ça serait nickel. Lancer ceci. Et hop, casse-toi. Oui, 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 oui. Oh putain. Ça fait bip bip, hein. T'as entendu, ça fait bip bip. Va chercher les bip bip. Oui, les deux. Allez chercher le bip bip tous les deux. J'aurais pu sauvegarder, mais j'ai pas confiance. Avec deux aliens, la sauvegarde boiteuse, on peut l'éviter. Alors je sais qu'on peut, évidemment. Oh non. C'est pas fini. Nous n'avons pas terminé encore. Drôle de bruit. Ok. Alors, soit... Clairement, soit on a retourné au sas, donc il faut retourner par là. Soit clairement, on a un alien dans le vide. Parce que vu le nombre de 9 ouverts, il y a de fortes chances. Par contre, vu le nombre d'œufs, il y a clairement une reine dans le coin. Mais la question, c'est... Si on est dans le vide, pourquoi ces bestioles nous feraient peur? Bon. C'est ça, parce que si on a un alien dans le vide, ils ne sont pas censés nous en mettre un deuxième. Donc, ouais, c'est bien ça. Les paris sont ouverts. Alien ou pas alien dans le bide. Car tout est possible. J'ai cru que j'avais cramé les deux, mais non. Allez, on y est presque. On a presque fini le jeu. On y est presque. On sent que c'est la fin. Bref. Ah, t'as moins de carburant, toi. T'en avais tout plein sur toi, je suis déçu.
Bon. Après, on a peut-être pu se réveiller avant. Ah, mais on a aussi. Se réveiller avant, mais j'y crois pas. Putain, allez, j'ai bien teasé 100 munitions de cette merde. Elle est où? Il est là. Voilà pourquoi je l'avais pas vu la première fois. Après, logiquement, d'après, si je dis pas de conneries, dans le film 2, Alien 2, ils disent clairement que la petite Ripley, sa fille, a vécu une vie heureuse. Je crois qu'elle a même eu des enfants, etc. Maintenant, c'est la Wayland Company, hein. Est-ce qu'il ment ou pas? Telle est la question. Bonjour, petite alien. Bonjour, second alien. Ça pue. Ça pue du cul. Et en bouteille. Putain, il y a des neufs mais partout. C'est con, ils ont déjà fait un deuxième nid. Alors, ça serait tellement bien qu'on voit une arène. Par contre, j'espère qu'il y a l'arène. D'accord, c'est normal. Que si on me dit, eh non, c'était pas le bon chemin. Bon, faisant. T'as tiré tous les aliens, hein, je pense. Ah, c'est bien qu'ils mettent un ventilo. Parce que c'est vrai qu'il faisait un peu chaud. LOL. Une petite partie d'échec, ça vous dit toujours pas non? Ramasser les armes de fusil, les munitions de fusil. Et à quoi ça sert de donner des munitions de fusil? Merde, il y avait un. Bon, tant pis. De toute façon, je vais claquer avant. Oui. Oui. Ah, ça sauvegarde, merci, sauvegarde automatique. Je vais mourir écrasé comme une merde. Je suis spécialiste hein, pour me prendre les trucs dans la tronche ce jour-là. Alors c'est pas ou par là ou par l'autre côté. C'est bien, il fonctionne plus. Bon, je pense qu'il est par là, il a l'air d'avoir un petit trou là. Non, c'est pas l'air d'être par là, j'ai chaud. T'es chaud. Ça bleu. Là, et je me prends le train dans 3, 2, 1, maintenant. Je le sentais, je le savais. Je l'avais dit que j'allais me prendre le train. Je l'avais dit. Si j'ai pris le train. Non, je veux dire, j'ai pris le train dans ma gueule. Faut que j'y arrive. J'y survivrai. Tchou. Oui. J'ai même pas peur. C'était chaud. Oui, il y a du feu partout. C'était chaud. Tu l'as déjà dit. Cassos, Chouchou? Non, pas Chouchou? Eh si, c'était sûr. On le sentait. On était sûr que le train allait passer au moment de remonter. Où elle est là, ça n'a pas l'air d'être par là quand même. Uah.
J'ai déjà le truc à fond donc au final ça sert à rien. Revolver. C'est bien, c'est quand même, les amis sont quand même super sympas de nous avoir laissé nos armes. C'est quand même sympa de leur part. Surtout le lance-flamme. Ils se sont pas dit, tiens, on va. On a bien senti le petit coup de fouet là. Il y en a plein. Mon avis, il nous donne des munitions de flingue pour les buter, mais il faut vachement bien viser, ce n'est pas mon cas. Ça lâche pas. Que ça aurait lâché et qu'il fallait s'accrocher. Verrouillé, donc il y a bien un truc à faire ici. Ah bah comme ça. Pourquoi j'ai galéré en fait? Peut-être parce que je suis failman. Putain, bordel! J'ai parfois de la chance. C'est qui cage. Je vais claquer. Parce que je sais pas où il faut aller. Oui, vas-y. Il n'y a pas de la babave? Non, ça va. On est reparti, c'est bon. Après, les deux aliens qu'on a vus nous ont pas fait chier hein, pour le moment. Donc, théoriquement, on peut avoir un alien dans le vide. Pour le moment. Maintenant, on n'a pas encore terminé le jeu. Donc là on est dans l'espace, logiquement il n'y a pas d'aliens. Même si je me pose la question, est-ce que les aliens peuvent survivre dans l'espace? Puisque dans les 1, bien sûr, l'alien vit dans l'espace, mais dans le 2, la reine également. Et on la voit clairement bouger dans tous les sens, ses petites patounes. Donc elle était clairement en vie. Elle n'a pas congelé sur place. Comme on aurait censé penser faire donc. Est-ce qu'ils survivent dans l'espace? Ceci est une bonne question, surtout que... C'est censé être les créatures les plus parfaites. Ça pourrait être le cas. On est parti. On avance. Sauvegarde, on se rapproche. S,
des escaliers qui nous amènent vers la fin du jeu. La dernière ascension. On va bientôt le savoir car je n'ai pas d'armes. J'ai plus rien, je suis dans l'espace. Vais-je mourir comme un caca? Hop, serrer la carte. C'est fait, suivant. Second, vas-y, cours. Qu'est-ce qu'on est bien dans l'espace? Clic droit, clac. Carte d'accès. Et je bip. Ça permet de les détacher. Et j'ai cru voir quelque chose. Oui, donc ça répond à ma question. Les aliens peuvent survivre dans l'espace. Me faire chier, hein. Gros clin d'œil à Alien 1, bien sûr. Il faut enlever un par un, non, c'est pas ça. C'est ça. Clac. Gros clin d'œil à Alien 1 où aussi elle faisait les 4 et on voyait vraiment le... on voyait vraiment tout faire. Pour faire péter bien sûr le vaisseau. Un alien! Des aliens partout! Et sur eux pour. Oh putain, trois aliens, salut! Allez vous faire enculer! J'ai peut-être voulu me tuer. La fin d'une traque! Nous avons terminé! Chapitre 18 terminé. Verlaine, je suis en chemin vers le pont. Donc chapitre 19, hein, logiquement. Donc on se retrouve dans le vaisseau de départ. Calme. Même si je sens la fin Verlaine. Voilà, je le sentais, c'est sûr.
toucher, touche pas. Le dernier alien. Gauche. J'ai oublié, je brûle sur tous les boutons. Hein. Replay terminé. Ok. C'est intéressant. Plutôt intéressante, très intéressante, puisque logiquement, d'après ce que j'ai compris, je pense que Ripley a quand même un alien dans le bide. Hein. Faut pas déconner, c'est sûr, il y a des chances. Vu qu'elle a été emprisonnée, les deux aliens ne m'ont quasiment jamais emmerdé. Bien sûr, il fallait. Pour le jeu, il fallait qu'il me tue, etc. Mais je pense qu'elle a un alien dans le vide quand même. Peut-être une reine. Et le vaisseau, puisqu'on a été propulsé dans l'espace, il y a. Donc. On est récupéré par un vaisseau, vu qu'on voit la lumière. Mais on ne sait pas lequel. Donc il y a des chances que ça soit le vaisseau de la fameuse compagnie. Et ça peut donner donc une éventuelle suite. Alien Isolation 2. Soit elle récupère le vaisseau, donc le Tauren avec Alien dedans, soit il récupère l'Alien directement dans le bide de notre cher Ripley, comme Alien 4. Et ça serait peut-être une reine, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Bon, eh bien, Alien Isolation est donc terminée, j'espère que ce let's play vous a plu. Mais, est-ce que ce let's play est vraiment terminé? Eh ben, pas tout à fait, car j'ai encore les DLC. Alors, les DLC, je n'ai encore jamais testé, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est scénarisé, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de DLC pour le mode survie, qui est donc un mode où, comme son nom l'indique, il faut survivre, mais le niveau de difficulté est forcément en difficulté expert, minimum. Et d'après ce que j'ai compris, s'il y a plusieurs niveaux, et on ne peut sauvegarder jamais. En gros, on fait le niveau entier en sauvegardant seulement entre les niveaux. Alors, je ne promets pas que je vais réussir à le terminer, parce que je pense que niveau expert, ça va être très short pour moi, déjà que le niveau intermédiaire, j'en ai chié, vous l'avez vu, mais je vais tester quand même. Donc, sur ce let's play est terminé, l'histoire est terminée, mais pour les DLC, je vais tenter. Je ne promets pas que je vais terminer, je vais l'enregistrer, et je vais peut-être le diffuser, mais si je ne termine pas, j'espère que vous m'en excuserez, parce que j'ai des limites quand même au niveau de la frustration, j'ai poussé jusqu'au bout du jeu quand même, en même temps le jeu est excellent, il faut l'avouer, le jeu est très 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 bon, j'ai beaucoup aimé le faire, je pense que je le referai un jour ou l'autre quand même, si c'est très frustrant. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, tout ça, c'était intéressant, c'était vraiment un jeu très intéressant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la tentative des DLC. Je dis bien tentative. Ou sinon, je vous dis à la prochaine pour un autre let's play. Salut tout le monde!